Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui donc vidéo très spéciale car comme vous avez pu le lire dans le titre donc ça va être l'unboxing de la PlayStation 4. Alors déjà je voulais dire que beaucoup de youtubeurs l'ont déjà fait évidemment et quand vous verrez cette vidéo ce sera à un moment où l'effervescence on va dire de la PlayStation 4 sera passée. Donc je pense que ça sera un peu plus agréable pour vous parce que j'ai envie de vous la mettre comme cadeau de Noël, donc c'est-à-dire dans une vingtaine de jours. Là nous sommes le 2 décembre et je pense que cette vidéo vous la verrez donc aux alentours du 25 décembre. Donc je pense que les unboxings, les tests et compagnie de la PlayStation 4 seront un peu passés. Et donc de ce fait, cette vidéo sera quand même un peu plus intéressante. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai mis les moyens. Donc je suis sur un fond vert. Alors je m'excuse si ça marche pas comme j'aimerais, c'est-à-dire que ça fasse des gris-gris un peu sur l'image. Mais bon, je trouvais ça un peu plus fun de faire comme ça. Comme ça au moins vous pourrez voir plusieurs angles. Donc de la console, voilà. Donc dans un premier temps je vais donc la déballer. Donc nous sommes le 2 décembre, c'est à dire elle est sortie il y a 3 jours. Moi je ne l'ai reçue qu'aujourd'hui. Et donc dans un premier temps nous allons la déballer. Dans un second temps nous allons la tester. Puis dans un troisième temps eh bien, je donnerai mes premières impressions. Enfin tester je veux dire, je vais la mettre en route pour la première fois. On va rentrer, enfin voilà. Cette vidéo je pense va durer un petit bout de temps. Environ on va dire une heure. Donc de toute façon vous voyez combien de temps ça va durer. Donc je vous conseille de prendre votre de quoi passer le temps avec moi. Donc je sais très bien que si vous regardez cette vidéo, vous connaissez déjà par cœur les spécificités de la console. Donc moi je ne vais pas dire ce qu'il y a là exactement dans le ventre. Bon, voilà, c'est comme ça. Moi je vais aller au vif du sujet, c'est-à-dire au test hein, quoi. Donc je suis vraiment très impatient. Donc on va commencer tout de suite. Et comme vous allez le voir, eh bien j'ai plusieurs caméras. Donc vous allez me voir et en même temps la vue de haut. Voilà. Donc nous sommes en vue de haut plus moi qui suis là. Voilà. Donc eh bien écoutez, c'est voilà. Donc hop. Donc je l'ai commandé chez Amazon. Alors je suis un peu furax contre eux, enfin un peu, c'est pas grave, mais je l'ai commandé le 4 août 2013. Je l'ai précommandé, ouais, exactement. Donc le 4 août 2013, et normalement je devais la recevoir le jour même, et je l'ai reçu quelques jours après. Donc ça, je suis un peu dégoûté. Enfin bon, moi je m'en fous parce que d'après qu'elle a tout ça, voilà, on fout ça par terre. Hein. On s'en fout. Hop. Donc en même temps, je regarde le retour, mais ah mais je la voyais moins grosse. Vous voyez la boîte que ça. Hop. Donc le carton, basta. Bon et ben voilà. Bon ben c'est tout. La vidéo est finie. Non je déconne. Donc et ben évidemment, voilà la belle. Bon, franchement un beau packaging. Hein. Donc évidemment dans la lignée. Des nouveaux packaging hein, de PlayStation 3, on va dire, hein, depuis la Slim, je crois, que c'est un peu dans ce style, et surtout depuis la Vita, où c'était vraiment comme ça, je crois, un packaging un peu bleu, comme ça. Voilà, ah, c'est énorme. Donc, hop, on peut voir, donc, à l'arrière, je vais vous mettre dans le bon sens, moi, c'est pas grave, j'aurai tout le temps de l'admirer après. Donc, à l'arrière, ben, c'est plutôt... plutôt pas mal hein, l'arrière de la boîte. Donc plutôt vraiment pas mal. Donc le PlayStation Plus, donc quelques screenshots donc des jeux qui vont arriver, donc Knack, Watch Dog. C'est là qu'on voit que la boîte a été faite avant l'annulation, enfin pas l'annulation mais avant le report quoi du jeu. Donc Watch Dog, donc qui est là, Assassin's Creed. Puis là la manette etc. Enfin ça montre bien les spécificités de la console. Donc la manette avec le sacré bouton share, donc l'appli qui y a donc sur Android et iPhone, donc pour contrôler un peu la console. La PS Vita qui est mise en avant parce qu'on va pouvoir donc faire du remote play, donc c'est à dire jouer sur sa console et sans être sur la télé. Voilà.
Le kit oreillette, donc, d'après ce que j'ai pu voir, est une vraie bouse. Et puis, donc, la télé, Full HD, etc. Bon, bah, écoutez, on va commencer tout de suite, hein. Hop! Voilà. C'est pas mal, hein, d'avoir un multicam, comme ça, au moins. Hop là. Alors. Ok, donc c'est ce qu'on appelle un sleeve. Donc ça en fait c'est une couverture. Et ça je trouve ça un peu aberrant. C'est un peu comme la PS3 Metal Gear Solid 4, donc à gagner en Amérique, hein, donc avec un sleeve. Donc qui est une surboîte. Parce que là regardez, voilà, on a une boîte toute blanche, toute moche. Ça, c'est pour moi un gros défaut de la part... Parce que bon, voilà, quand on aime les jeux vidéo, on aime l'objet, évidemment. Et on aimerait bien avoir un bel objet. Moi, j'aurais voulu que ça soit une boîte exactement dans le même style. Mais au lieu que ça soit une surboîte, que ça soit ça, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Non, ça, c'est un peu décevant. Hop là. Donc, ce que je vais faire, pour le moment, je vais vous mettre juste en vidéo, histoire que vous voyez tout. Voilà, donc ouais, c'est bon, ça marche. Alors, et puis en même temps, hop, je vais vous mettre une petite musique de fond. Voilà, logiquement, vous devriez entendre quelque chose. Alors, donc, avant, regardez, on peut voir derrière, donc PlayStation 4, le système PlayStation 4 et l'environnement. Ok. Donc, en version française, nous utilisons uniquement des agents ignifuges dépourvus de chlore et de brome pour le coffrage de nos PlayStation 4. Ouais, ok. Donc, en clair, ils veulent dire que la PlayStation 4 est écologique. Et voilà, donc là, nous y sommes. Alors, je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, donc, l'intérieur de la boîte. Oh là, c'est génial. Donc, nous avons... la PS4 qui est là. La manette. C'est vraiment le strict minimum. Hein. C'est vraiment pas comme dans le temps. Et puis son guide de mise en route. Voilà. Donc guide de mise en route. Voilà. Hein. Donc ça, je vais pas non plus hein, vous faire voir ça 10 ans. Donc nous avons un petit emplacement qui cache son câble d'alimentation. Voilà, donc là je vais vous remettre en mode face cam. Alors ma souris est là. Hip. Voilà. Donc nous avons donc son câble d'alimentation. Nous avons donc le kit oreillette qui est une bouse infâme. Mais ça a le mérite d'être là. Moi je joue pas en ligne donc je m'en fous. Nous avons son câble USB, donc USB plein format sur micro USB, je crois, hein, donc comme les téléphones portables d'aujourd'hui, quoi, hein, l'USB standard. Et nous avons le câble HDMI, donc qui a fait tant parler de lui au lancement aux USA avec tous ses problèmes d'affichage à l'écran, en espérant qu'en France et en Europe, on va dire, il n'y ait pas ce problème. Nous avons donc magnifique la manette. Voilà, dans son petit plastique. Voilà, donc la manette dans son plastique. Et évidemment, le clou du spectacle. Alors c'est marrant, hein, à chaque fois qu'on voit un unboxing, tout le monde commence par le petit matériel et finit par la console. C'est marrant, hein. Je sais pas pourquoi on fait ça. J'y pensais même pas. Et voilà le clou. Ah ouais, elle est bien. Donc la PS4. Un petit flyer hein, qu'il y avait dans la boîte en plus. Voilà. Donc un petit flyer. Donc on va virer la boîte pour le moment. Donc ça évidemment, hein, c'est une boîte que je garderai toute ma vie. Hop! Donc, alors le carton, carton de bonne qualité hein,
pour garantir donc la console. Voilà. Ah, elle est vraiment petite. Alors évidemment, je vais faire comme tout le monde. Je vais la comparer avec autre chose. Hop là. Et voilà la console, la tant attendue. Et j'ai déjà mis mes traces de doigts dessus. Oh là là. Ah ouais, elle est vraiment bien. Hein. Avec le petit PlayStation là, un peu gravé. Ouais, pas mal. Donc, hop là. Donc là, on peut remarquer, donc, je sais pas si vous allez voir, donc le manche disque hein, qui se trouve donc ici. Voilà. Et puis les deux ports USB. Et donc, à l'arrière de la console, il y a vraiment rien de particulier. Alors, ce qui est bizarre aussi, ça c'est vraiment très chelou d'ailleurs, c'est qu'il n'y ait pas de plastique là. Ouais, c'est bizarre. Il n'y a pas de plastique pour recouvrir la partie brillante. Ouais, c'est marrant ça. Alors, ah d'accord, donc les boutons. Alors là, vous voyez pas. Hop là. Donc, les boutons. Désolé pour l'incruste hein, qui est un peu dégueulasse. Donc ici, là, eh ben, c'est tactile tout ça. Hein. Mais ça, je pense que vous devez le savoir. Il n'y a pas de bouton physique. Voilà. Bon, ben c'est pas mal. Et alors, est-ce qu'elle tient bien? Ouais, bon, c'est forme. Puis elle est vraiment pas lourde. Hein. Hop, donc on voit HDMI, DTS HD, Dolby Digital, Blu-ray. Voilà, c'est tout. Ah non, c'est normal ça. Putain, j'ai eu peur, je crois qu'il y avait un problème. Et donc debout. Eh ben, marche très bien debout. Hein. Très très bien. Voilà, là c'est droit par rapport à vous. Non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, donc là c'était sur la console. Qui est vraiment classe, hein, on va dire. Et donc la manette. Qui est quand même la chose qui était le... Putain, elle est classe. Vous voyez, voilà. Là, ils ont mis le petit plastique. Voilà, là, ils ont mis les plastiques sur les parties brillantes. Alors que là, il n'y en a pas. Ça m'hallucine. Oh, putain, vous voyez. Oh, oh là là. Eh, franchement, génial. Hein. Oh, les joy. Oh, les joysticks. Oh, ils pètent. Donc, voilà la manette. Là, voilà. La sacrée manette qui a été présentée en premier avant la console, donc le 22 février 2013. Voilà. Et franchement, elle est classe. Ah ouais, j'adore ça. Ah, la texture derrière. Comment dire? Alors, donc je vais la prendre en main. Ah putain, elle est carrément plus grande que l'autre. Hein. Donc évidemment, pour faire un petit comparatif. Donc j'ai l'autre. Alors l'autre qui est une 6 axis normale. Ah c'est marrant, c'est pas marqué DualShock 4 sur la console. C'est marqué juste Wireless Controller. C'est tout. Donc les deux côte à côte. Voilà, donc on peut voir celle-là qui a des poignées, on va dire, plus petites. Hein, la DualShock 3. On va dire DualShock 3. Et puis évidemment, les joysticks de la DualShock 3 sont beaucoup plus gros que la DualShock 4. Et, mais sérieux. Ah ouais, et je crois que les mecs... Ah ouais, d'accord. Les gâchettes. Ah mais c'est autre chose. Déjà, il y a moins de... Il y a moins à parcourir. Il y a moins à parcourir. Vous voyez, là c'est un peu plus long, on va dire, entre... Le début qu'on appuie et la fin où on tape contre le plastique. Alors que là, c'est beaucoup plus court. Putain, depuis le temps que j'en rêvais d'avoir cette manette dans les mains. Ça y est, c'est fait. Donc, toujours, on peut appuyer donc sur les... sur les joysticks. Hein. Je sais pas si vous entendez.
Je sais pas. Donc au milieu, donc il y a, je pense, un micro, le sacré pad, le trackpad, comme on appelle ça, le pad tactile, quoi. C'est quand même fort d'avoir une partie tactile sur une manette. Donc on va enlever ça, hein, bien sûr. Alors moi, à la première vue de cette console, de cette manette, moi j'ai tout de suite pensé au Joy-Con qui était sorti pour je sais plus quel jeu de Namco. Moi me faisait penser à ça vis-à-vis des donc vis-à-vis de ça là, des poignées. D'ailleurs je vous l'avais montré hein, dans mon débriefing. Et franchement pas mal. Hein. Et les gâchettes sont bien. Hein. Et là, par exemple, là, on avance. Sérieux, c'est pas mal. Hein. Pour du FPS, moi je suis pas FPS, mais pour ceux qui aiment ça, c'est franchement pas mal. Donc là, le trackpad. Donc, par exemple, avec une souris pour le navigateur. Oh, puis la croix. La croix directionnelle, pas mal. Qui ressemble beaucoup à l'autre, hein, mais. Alors évidemment. Ce qui est chiant, c'est que d'une part, avec ce genre de surface, évidemment, pourquoi avoir fait ça? Je comprends pas trop. C'est pour l'aspect esthétique, je pense, mais pour une surface comme ça, donc évidemment, il y a les traces de doigts qui vont apparaître tout de suite. Par exemple, si on bouffe un truc de... de gras, bah là, c'est pas la peine. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que ça peut se rayer très facilement. C'est ça? Ça peut se rayer très très facilement. Bon. Bon, ben voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour. Donc, la PlayStation 4, hein, qui est là. Voilà. Donc, évidemment, je vais faire ce que fait tout le monde. Mais je trouve ça quand même intéressant. Eh bien, je vais faire une comparaison avec son aîné. Donc la PlayStation 3, alors que moi j'ai le plaisir d'avoir en version 60Go, donc voilà. Voilà la PlayStation 3 versus ben, la PlayStation 4. Voilà, donc il faut comparer ce qui est comparable, parce que beaucoup de gens comparent la PlayStation 3 Slim avec la PlayStation 4. Mais limite il faut pas, parce que il faut comparer... les consoles de première génération, quoi. Comme là, la PlayStation 3 60Go est la première console à être sortie. Voilà. Le premier modèle, on va dire, avant que les Slim et les Super Slim arrivent. Et donc, voilà, on peut voir la différence d'épaisseur tout de suite. Et puis, ce que l'on peut faire aussi, c'est la comparer avec... je vais vous chercher ça de suite. Et on peut aussi la comparer avec une PlayStation 2. Qui s'apparente un peu plus à la PlayStation 4 vu qu'elles sont plates. Et un peu... voilà, elles sont plates, tout simplement. Tandis que la PlayStation 3, elle était beaucoup plus incurvée. Voilà, elle avait des belles lignes. Et moi, je vois quand même que Sony avait pris beaucoup de risques à l'époque avec sa PlayStation 3. De par son design, qui était quand même assez... assez risqué, tout simplement. Moi, j'adore ce design. De la PlayStation 3, ça fait vraiment objet de luxe. Voilà, c'est la luxuriance. Voilà, donc la PlayStation 4. Alors, est-ce que vous voyez dans ma caméra de face? Voilà, donc ça c'est l'arrière. Donc l'arrière, tout le monde le connaît, hein, donc pas grand chose. Donc une prise EXT, une prise Ethernet, une prise HDMI et une prise... SPDIF ou Toslink, enfin une prise pour le son numérique via la fibre optique. Voilà, bon ben, après avoir donc discuté et présenté la console dans tous ses angles, eh bien nous allons la tester de suite. Donc bien je vous dis à tout de suite. Donc nous revoici donc sur le premier allumage donc de la PlayStation 4. Donc comme pour la PlayStation 3, il nous demande donc de brancher la manette de la Play 4. Donc nous revoici donc sur l'interface de la première installation. Donc on peut entendre qu'elle ne fait absolument aucun bruit, la console.
D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous la montrer de haut. Donc là voilà, donc elle est allumée avec son petit liseré donc de couleur ici, voilà. Donc branchée, allumée, et donc on peut voir donc la lumière sur le devant de la console. Donc nous allons retourner là où j'étais de suite. Voilà. Donc il faut appuyer sur PS. Voilà. Alors il y a même pas de lumière, il y a rien. Hein. À part ça, il y a bizarre. Donc français. Alors commençons par configurer votre PlayStation 4. Alors configurer la connexion internet, connecter la PlayStation caméra, définir la date et l'heure. Donc la PlayStation caméra, moi je n'en ai pas. Donc je sais pas si j'en prendrai une un jour. Hein. Alors comment souhaitez-vous connecter au réseau? Alors j'ai pas de câble réseau, si je vais en trouver. Non, je vais me mettre en Wi-Fi pour le moment. Parce qu'aujourd'hui, franchement, le Wi-Fi. Donc là, en clair, vous allez voir tous les réseaux qui sont aux alentours. Je vous flouterai le mien parce que j'ai pas envie que vous sachiez comment s'appelle mon réseau. Alors, de même pour là. Donc là, je suis en train donc de taper la clé réseau. Et franchement, la manette, elle répond plutôt bien. Hop. Alors, hop et hop. Merde. Ah ben, y a plus de start. Et franchement, j'avais le réflexe de taper là pour faire start. C'est énorme. Ah, c'est bizarre, ça sent le start, hein. Hop, terminé. Ah, c'est R2 maintenant pour terminer. Oh, ça fait bizarre sans start, hein. Moi j'aime pas trop ça, hein. C'est vrai que ça fait bizarre sans start. Hein. Bon, va falloir que je m'y fasse, hein, tout simplement. Hop, donc vérification de l'environnement réseau en cours. Alors, on peut aussi voir que il n'y a vraiment aucune LED. C'est assez déstabilisant, je trouve, quand même. Parce que même quand la console est en veille, eh bien, il n'y a pas de lumière rouge ou quoi. Ah, ça fait chelou, j'aime pas trop ça. Alors, donc là, je vais ignorer la PlayStation, on va se mettre à Bruxelles. Donc, il est 11h11, c'est exactement ça, donc elle s'est mise à l'heure via le réseau. Donc, définissez le délai au-delà duquel la PS4 s'éteint automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée. Alors, ouais, 20 minutes, ça, je verrai ça plus tard. Alors, lorsqu'elle est en mode veille, la PS4 peut se préparer en vue de sa prochaine utilisation. Sélectionnez les fonctionnalités que vous voulez utiliser en mode veille. Si vous ne sélectionnez aucune fonctionnalité, la PS4 s'éteindra directement sans passer en mode veille. Oula, alors, lorsque la mode veille, la PS4... Fournir l'alimentation des ports USB, oui. Se connecter à Internet, oui. Alors, autoriser l'activation de la PS4 depuis le réseau, oui, aussi. Allez hop, c'est tout ce qu'il y a. Ok, donc suivant. Donc évidemment, on va pas se faire chier à lire, on l'accepte. Et on peut accepter n'importe quoi dans ces conditions. Hop, PS4, la configuration de votre PS4 est terminée. Profitez d'un environnement de jeu passionnant. Donc commencez maintenant. Alors là, ça, ils ont gardé le truc de l'épilepsie. Et voilà, nous sommes sur l'interface. Donc de la console. Donc là, vous ne voyez pas spécialement ce que je vais faire, comment je touche et tout, etc. Donc voilà. Donc ça casse un peu un peu de l'interface, mais c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Donc, mais ils m'ont même pas demandé mon utilisateur, mon nom d'utilisateur. Alors, profitez encore plus de votre PS4. Ah oui, ça ressemble beaucoup au XMB. Hein. Ouh là là. Ah ouais, ça ressemble beaucoup au XMB quand même, hein. Parce que je voulais pas me spoiler l'interface. Donc paramètres, guide de l'utilisateur, traitement des données, notification, paramètres de connexion, gestionnaire. Alors, gestion du stockage. D'accord. Donc là, on est un peu à l'Android, hein. Ça ressemble un peu à de l'Android avec le coup de application capture, etc.
Mais il y avait, ah oui, 409 gigas de libre, alors que le disque dur en fait 500 à la base, hein. Vous vous rendez compte? Ça me prend exactement 91 gigas. Alors, je sais de toute façon qu'un disque de 500 gigas n'en fait pas 500 gigas, il en fait peut-être 480. Et donc en clair, ça me bouffe 60 gigas quoi, hein, de entre le système et le reste. Alors, mise à jour du logiciel, donc réseau, son et écran. Alors, j'entends pas le son que ça fait, moi, j'ai pas le son. Donc je pourrais pas vous dire. Donc paramètres de gestion de l'alimentation. Ce que je vais faire, je vais me mettre sur la télé. Je vais être un peu décalé. Alors. Voilà. Ok, donc initialisation, d'accord. Donc système. Donc information système. Activer les commandes vocales de la PS4. Activer le lien de périphérique HDMI. Historique des erreurs. En tout cas, ça répond très bien. C'est rapide. Voilà, la lecture à distance. Alors là, je suis en quelle version? Alors, PSN. Gestion du stockage. Non, c'est là où on était tout de suite. Donc, on peut pas voir en quelle version nous sommes. À moins que ça soit dans mise à jour. Voilà, un fichier de mise à jour va être téléchargé. Ah non, je veux pas tout de suite. Oh putain, on peut pas retourner en arrière. Cool, c'est bon. En appuyant sur PS, j'ai pu retourner en arrière. Ah putain, puis on retourne directement là. Oh, ça me plaît pas du tout. Je veux pas télécharger de mise à jour. Ah, annuler. Ah ben, excusez-moi, autant pour moi. Autant pour moi, j'avais pas vu annuler. Parce que y a ma fenêtre où je vous montre un peu comment je joue de haut. Donc gestion du stockage, donc paramètres de connexion. C'est marrant, on peut, y a pas à propos. Ah, système peut-être, non? Ah voilà, information système. Ok. Donc là nous sommes avec le logiciel 1.01. Voilà. Donc ma PS4 s'appelle PS4 520. Donc c'est peut-être la 520e d'être qui a été fait, hein. Je sais pas. Oh, ça fait bizarre d'avoir une version aussi. Alors, je vais l'appeler. Je vais l'appeler PlayStation 4. Non, PlayStation 2. Merde, non. Comment on fait les majuscules? D'accord, c'est avec L2. Donc, 2. Rafi. Ah, merde! Je voulais mettre A, mais tant pis. PlayStation 4, je vais mettre. Truc tout con. Moi, je sais que ma PS3, je l'avais appelée PS3. Voilà, donc terminé. Ok, donc adresse IP. Évidemment, je vous flouterai adresse MAC, etc. Donc activer le lien de périphérique HDMI, donc ok. Donc il faut pour ça aller dans paramètres, système et information système. Ok, heureusement qu'ils nous l'ont laissé ça. Donc mise à jour, gestionnaire, bon des trucs tout bêtes, hein. C'est vraiment le plus bête. Alors profil user 1. Alors associer un compte Sony Entertainment Network et profiter encore plus de votre PS4. Alors je peux me connecter à PSN. Alors, partie, profiter du chat vocal, message, ami. Alors, en plus, on n'est vraiment pas dépaysé puisque nous sommes avec les mêmes icônes. Donc ça, c'est cool. Et en fait, on a donc le XMB d'avant. Voilà, si on veut par là. Donc, notification, on peut voir que le logiciel système version 1.51 peut être téléchargé. Enfin, peut être installé même. En fait, voilà, là on a le XMB et dès qu'on fait la croix, enfin dès qu'on va vers le bas, bim, on va donc sur une autre sorte de XMB, mais ça c'est pour le jeu. Voilà, The Playroom.
Je sais pas ce que c'est, The Playroom. Alors, démarrer en direct de PlayStation. Alors, voir des diffusions en direct de jeux du monde entier. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est avec le bouton Share. D'accord. Et on peut voir aussi que la LED est bleue. Je sais pas si vous voyez. La LED est bleue. Bon. En fait, le joueur 1, je crois qu'il a une LED bleue. Et téléchargement. D'accord. Donc là, en clair, user 1, là. Modifier le nom d'utilisateur. Donc ça, je peux le faire, bien sûr. Merde. Il va falloir se réapprivoiser les commandes parce que c'est plus du tout les mêmes. Donc R2, voilà. Donc on fait OK. Donc là maintenant je m'appelle Rafi857, ce qui est normal. Alors, où est-ce qu'on peut en rajouter des utilisateurs d'ailleurs? Parce qu'avant c'était dans Profil où on pouvait rajouter des utilisateurs. Donc on a les trophées en direct. D'accord. Donc, nouveauté, on va cliquer dessus, donc The Playroom, qu'est-ce que The Playroom? On va aller voir ça tout de suite, hein, The Playroom. Donc, il lui a fallu un petit temps de chargement, alors peut-être qu'il faut Internet pour que ça fonctionne. Bonjour et bienvenue, pour profiter pleinement de The Playroom, il vous faut une PlayStation Caméra. Ah! D'accord, bon. Eh ben écoutez, moi je n'ai pas de PlayStation Caméra. On va quitter ça, tant pis. Ah ouais, d'accord. Ah, énorme, le pavé tactile. Ah, c'est trop fort. Oh putain, ça vibre. Ah d'accord, en fait c'est une sorte de... Ah, pas mal, ça vibre bien et tout. Ah, les vibrations sont bonnes. Oula. Oh, énorme! Le son sort de la manette. Ça, c'est très fort. Un son excellent, vraiment excellent son. Hein. Ah oui, là, pour le coup, ils nous ont fait un truc bien. Hein. Ouais, énorme, avec la Play Caméra et tout. Ah, d'après que la PS Caméra est assez mauvaise. Hein. Enfin, en même temps, aujourd'hui, les gens sont tellement exigeants sur tout que beaucoup de choses est mauvais pour, à leurs yeux. D'accord, barre lumineuse. Donc là, écoutez, il y a du son qui sort de du micro, enfin du haut-parleur. Là, je peux rien faire. Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de réalité augmentée aussi. Là, ça fait bizarre hein, de jouer avec le pavé tactile. Là. Genre pour monter. Peut-être ça un peu, je pense. Hein. Alors, il y a Mister Cool de Hooper.fr qui disait que le pavé tactile était une vraie calamité. Mais c'est quand il l'a essayé au salon Paris Game Week. Alors, après. Bon, moi je viens de me barrer de là. Hop. Donc là, on peut voir que on peut reprendre là où j'étais. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment cool. Alors, c'est instantané. Hein. Le coup de j'appuie sur PS, c'est instantané. Pas comme avant où il fallait attendre et tout. Ça déjà ils ont bien optimisé. Donc le navigateur internet. Alors connectez-vous à PSN. D'accord, il faut que je me connecte à PSN pour pouvoir profiter du navigateur internet. Chose que c'était pas comme ça sur PS3. Sur PS3 on n'était pas obligé d'avoir je vois plus rien sur mon retour. D'avoir la dernière mise à jour pour profiter du navigateur. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, je vais installer la dernière mise à jour, hein. Tant pis, hein. J'ai, de toute façon, moi, ma première console, j'ai pas envie de la hacker, quoi. Si un jour il y a un hack, j'en rachèterai une, et c'est tout. Puis, de toute façon, voilà, moi, je vais profiter de... Alors, le logiciel système de la PSK va être mis à jour. Donc, on va voir, d'ailleurs, combien de temps ça va mettre pour la mise à jour. Pour le moment, ils n'ont pas dit combien de gigas elle prend. Donc là, on peut voir que la barre lumineuse, je vais vous montrer ça. Oui, je vais vous montrer ça. On peut voir que la barre lumineuse bouge.
Alors, je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Donc là, maintenant, elle est en bleu. Alors, c'est normal, hein, si l'image est dégueulasse, hein, vu que j'avais fait une incruste sur le fond vert. Voilà. Voilà, on va se remettre comme ça. Oh putain, voilà, installation du logiciel. Oh là là, la vitesse que ça va. Ah, ça aussi, ils l'ont optimisé, hein. Oh là là, la vitesse que ça va, c'est hallucinant. 43%, 48. Oh. Avant une mise à jour, on va dire sur un système 60 gigas, donc le premier système, ça prenait aux environs, allez, on va dire 7-8 minutes, au moins. Eh ben voilà. Oh là là. En fait, je voulais pas la mettre à jour avec vous parce que je me disais ça va être super long. Et en fait, ça va pas être long du tout. Et voilà, c'est bon. C'est fini. Il y a aussi que la console a téléchargé la mise à jour en arrière-plan. Et c'est ça qui est énorme aussi. Donc là, reboot. Donc là, c'est parti pour le reboot. Voilà. Donc nos signaux, c'est normal, hein. Voilà, PlayStation. Donc en clair, quand on va allumer la console, ça sera le logo PlayStation comme ça. Alors vous inquiétez pas, hein, si vous voyez que les bords chez vous sont un peu ovales, c'est normal, c'est un filtre que j'ai mis. Hein. Mais les ports, enfin les bords, vous voyez, les bords de l'image, normalement ils doivent être carrés. Hein. Il n'y a pas de problème. Hop. Ah ouais, ok, donc on peut rajouter un utilisateur grâce quand on allume donc la console par exemple. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres moyens pour le faire. Alors votre bot d'accès local total pour une expérience de divertissement inégalée. D'accord. Donc là je vais vous flouter tout. Non, je vais pas vous flouter. Donc là je me connecte au PSN, on se retrouve juste après. Donc nous revoici donc sur l'interface de la console. Donc je me suis connecté au PSN. Alors à des moments je vais flouter parce qu'il y a mon nom complet qui apparaît. Même si certains connaissent mon nom complet, j'ai pas envie que tout le monde le connaisse. Voilà. Donc ce que je ferai à des moments, je mettrai des carrés noirs sur le montage. Voilà, c'est tout. Donc nous revoici donc sur l'interface. Alors donc sur le XMB, parce que je vais quand même l'appeler le XMB, donc nous avons droit à nos trophées, voilà, directement, sans temps de latence, voilà. Alors évidemment il faut que ça se synchronise, hein, c'est logique, mais voilà, donc là on a tous nos trophées, donc Beyond Two Souls, The Last of Us, The Playroom, alors, The Playroom, il y a des trophées aussi. Donc ça c'est tous les jeux donc PS3 évidemment. Donc on peut voir les trophées de toutes les plateformes, mais sans pouvoir y jouer. C'est marrant quand même. Parce que évidemment, la PS3, vous le savez, on ne peut pas jouer à la PS3 sur la PS4. Ce n'est pas rétrocompatible. Voilà. Donc sinon, ben, les paramètres, hein, je vous ai montré. Donc sinon le profil, donc là, évidemment, vous verrez un petit carré noir donc sur le côté. Pour pas que vous voyez mon nom complet. Voilà. Donc partie, donc ça c'est pour le chat, donc les messages, donc un peu comme sur la PS3. Hein. Donc là on peut voir les amis qui sont en ligne, donc The God Gamer par exemple qui est un ami est en ligne. Aucune notification et le PS Store. Voilà. Donc ça en clair c'est toutes les options de la machine en elle-même. Et dès qu'on va vers le bas, hop, c'est là qu'on a le reste. Donc en l'occurrence le navigateur internet, on a la Playroom donc qui est un jeu intégré à la console, on a en direct de PlayStation et la bibliothèque. Donc on va voir ce que c'est la bibliothèque. Donc la bibliothèque en clair c'est toutes les parties que l'on a donc enregistrées grâce enfin au bouton share. Voilà, donc il faut pas oublier que la console donc enregistre en permanence donc ce que l'on fait à l'écran et que l'on peut mettre en ligne donc les 15 dernières minutes donc de ce qu'elle a enregistré. Voilà. Donc The Playroom, donc ça c'est un jeu intégré. Donc ça en clair, je pense que ça va être un peu
donc tout ce qui est PKG, quoi. Donc les démos, par exemple, elles s'afficheront là, je pense. Donc non, j'ai pas envie d'aller dans the Playroom, parce que vous avez vu, donc dans le XMB, on n'a pas d'onglet jeux, hein, où tous les jeux sont répertoriés. Donc je pense que tous les jeux, c'est ici, en faisant bas, voilà, jeux et applications, voilà. Donc nous avons Video Unlimited et Music Unlimited, parce qu'il faut pas oublier que la PlayStation 4 ne peut pas lire pour le moment des CD audio. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et donc l'onglet nouveauté, donc pour le moment il n'y a pas de nouveauté, voilà. Et donc dans le XMB classique, nous avons aussi le PlayStation Store, donc qu'on peut voir qu'il est hyper réactif par rapport à son homologue sur PS3. C'est hallucinant. Donc ça va très très vite. Donc le PS Plus, j'ai un essai de 14 jours si je veux. Voilà, donc pour le moment ça m'intéresse, hein, mais je le prendrai peut-être un peu plus tard. Donc on peut acheter des jeux en démat, voilà, dont Killzone Shadowfall, FIFA 14. Alors on a aussi donc Call of Duty Ghost. Knack, il vaut 60€, Knack. Moi je trouve que c'était un jeu bas de gamme. Genre un jeu de lancement comme ça, quoi, une sorte de démo améliorée, un truc à 25€, 30€. Oh, putain, 60€, c'est n'importe quoi. Donc nous avons aussi des vidéos, voilà, qui peuvent s'afficher en temps réel. PlayStation Store vous permet de vous plonger plus rapidement. Voilà, en plus c'est en français, c'est pas mal. Je crois qu'il y avait ça aussi sur PS3, il me semble, hein. Donc le PlayStation Plus, évidemment, ça, ils le mettent en avant. Et ensuite, là, on arrive plutôt dans tout ce qui est film, etc. Donc là, jeu. Voilà, donc il y a tous les jeux du lancement que l'on peut acheter. Alors, magasin, on va retourner au magasin. Donc moi je veux, donc jeux, alors tous les jeux et extensions, mise à niveau PS3 vers PS4, PlayStation Plus, extension à la une, meilleur jeu, ok. Ensuite les bibliothèques, les vidéos, utiliser code, donc ça c'est comme sur la PS3. Donc la bienvenue, donc avec les trucs du moment, donc PlayStation Plus, mise à niveau, donc les jeux, mais malheureusement on dirait qu'il n'y a pas de démo. Alors meilleur jeu, extension à la une, PlayStation Plus, mise à jour PS3 vers PlayStation 4 et tous les jeux et extensions. Alors, on va voir s'il y a des démos, parce que moi je n'ai pas de jeu à l'heure actuelle. Donc Battlefield. Ah voilà. Ben voilà, nickel. Démo de FIFA 14 par exemple. Voilà, donc je vais la prendre. J'aime pas ça, mais je vais la prendre parce que voilà, pour le moment mes finances me permettent pas d'acheter un jeu avec, parce que vous verrez plus tard. Alors, téléchargement de la démo en cours. Voilà, donc maintenant on peut se barrer. Voilà. Et ça télécharge en arrière-plan. Alors, donc jeu complet, extension, jeu complet, extension, extension, jeu complet. Il n'y a pas de démo à part le jeu de foot. Piste musicale. Jeu PSN, voilà. Donc par exemple Contrast, qui est lui juste un jeu PSN. Et d'ailleurs durant 14 jours, je pourrais l'essayer gratuitement ce jeu, grâce à PS Plus. On peut voir. Alors, War Thunder, gratuit. Ah ben voilà. Heureusement qu'il y a des choses gratuites, parce que ceux qui peuvent pas se permettre d'acheter de jeu avec, qui d'ailleurs au passant, parce que à la rigueur s'il y avait eu par exemple Watch Dog que j'attendais, je l'aurais acheté avec, mais vu qu'il n'y est pas, qu'il va falloir attendre un peu. Alors Knack, ça moi je trouve ça incroyable, c'est de la merde, enfin c'est de la merde, faut pas dire ça, mais bon, ça ne m'intéresse pas, on va dire. Donc Waterder, War Thunder plutôt. Sinon, ben c'est pas donné, hein, tout ça. Hein. DC Universe, jeu PSN. Ah d'accord, c'est du free to play. Donc en clair, si tu veux aller plus loin dans le jeu, faut que t'achètes.
Puis c'est à peu près tout, quoi. Enfin, c'est à peu près tout, non, mais enfin... Vous voyez comment ça se goupille. Donc, il n'y a pas grand-chose, hein, pour le moment, sur PS4. Donc, évidemment, les gros jeux sont là. Hein. Donc, ce qui est incroyable, c'est que pour jouer en ligne, faut acheter le Season Pass. Putain. Donc, ça, c'est pour Killzone, voilà. Donc, extension, PlayStation Plus, alors tous les jeux. Alors, PlayStation Plus. Alors, moi, ce qui est marrant, c'est que il n'y a pas l'onglet démo. Alors que moi, c'est ce que je cherche pour le moment. On a les films, voilà. Wolverine, qui est à 4€ en location. On a Jason Statham, donc Crazy Joe. Alors, l'interface est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal foutu. Il y a des fonds d'écran et tout. C'est plutôt bien. Ça répond plutôt bien, d'ailleurs. Alors, bibliothèque, donc ça, c'est ce que je suis en train de télécharger. Voilà. Donc, elle pèse combien, cette démo? Alors, élément associé, je veux dire. D'accord, je peux pas aller dessus encore. Ah, 2,2 gigas. Ok. C'est assez lourd, mais bon. Ce que je ferai une autre vidéo pour voir le temps que ça met à l'installation. Hop. Alors, on va aller sur le navigateur internet pour voir la réactivité du pad. Putain, dites-moi pas que c'est ça, le navigateur internet. Putain. Alors, par exemple, on va rechercher, je sais pas moi... C'est ça le navigateur internet? Google. Hop. Ah ok. D'accord. Oh, c'est assez rapide. Alors, je vois que le touchpad ne fonctionne pas. Alors, options. Paramètres. Autoriser les cookies, supprimer les cookies. C'est tout ce qu'il y a? C'est tout ce qu'il y a, quoi. Oh, c'est quand même assez réactif, hein, mine de rien. Je sais pas, on va aller sur YouTube. Voilà, YouTube. YouTube, Rafi857. Voilà. Donc là, on y est. Oh, c'est assez rapide, hein, quand même. Hein. Ah, et quand même. Là, c'est la première vidéo. Est-ce qu'on peut choisir la résolution? Voilà, donc 720p. Et en plein écran. Ah, c'est... Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo bidouillage. Et oui, ça faisait longtemps, petite vidéo bidouillage. Ça marche plutôt pas mal. Et cette fois-ci, donc, sur toujours avec le stick droit pour et défiler oui. sur la Alors, page. Vu comme ça, peut-être que vous la reconnaissez pas. Bon, la ferme. Hop. Donc, pour retourner en arrière, c'est exactement comme sur PS3. Hein. Donc c'est avec L1 et R1 pour aller en avant. Puis voilà quoi. Hein. Ok, donc qu'est-ce que je peux aller voir? On va aller voir Hooper, tiens. Hop. Hop. Ouais, c'est quand même assez réactif, hein. Ça vaut le navigateur de l'autre. Hop. Voilà, donc... alors pour le moment, on peut même pas se servir de la souris, c'est très bizarre. Donc pour un zoom, donc L3, voilà, hop, hop. Voilà, on a plusieurs degrés de zoom. Putain, ça rame un peu, hein. Ça a ramé tout de suite. Voilà, donc... prochaine vidéo, Paris Game Week, etc. qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a quand même 954 messages. Ah, alors là, on voit que il y a pas le plugin. Missing plugin.
Alors que j'ai pu lire une vidéo sur YouTube, je ne peux pas lire une vidéo sur Dailymotion. Et non, et je crois d'ailleurs qu'elle est sur YouTube, d'ailleurs, cette vidéo. Bizarre. Ah, une nouvelle news. Du 1er au 24 décembre, défendez vos héros préférés dans les duels de l'avant. Voilà, donc un nouveau truc qu'il y a eu sur le site. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait quand même 1h03 que nous sommes ensemble. Enfin, pour vous, ça fera peut-être 50 minutes parce que je vais couper certaines choses. Donc, attendez, voilà. Donc, mes premières impressions, bah écoutez, pour le moment, c'est très bien. Pour le moment, c'est cool. C'est une bonne console, réactive, qui va très vite. Par exemple, quand on appuie sur le bouton PS, bzioup, on est directement dessus le bureau, quoi. C'est très réactif, ça va vite. Sinon, bah écoutez, quelques points faibles pour le moment, bah, c'est la lecture, par exemple, de différents disques, hein, comme un CD audio classique. Et bah écoutez, ça ne me lit pas. C'est un peu bizarre. J'ai pas fait le test, hein, mais c'est ce qui en a découlé. Sinon, en point faible, de toute façon, moi je voulais la PS4, voilà, à son lancement, je la voulais. Moi je voulais Watch Dogs avec, évidemment, mais j'ai été déçu parce qu'il n'est pas sorti quand je voulais. Mais moi, voilà, donc je l'ai, je suis content, mais je n'ai pas de jeu avec. Voilà, donc pour le moment, eh bien, écoutez, elle va prendre un peu la poussière, hein, à la maison. Je vais tester les démos. Je vois que d'ailleurs elles sont longues à télécharger, donc c'est ce que je disais, donc c'est bien dans l'onglet. Donc là le haut c'est le XMB, puis le bas c'est tous les jeux, toutes les applis. Voilà, c'est ce que je me doutais aussi. Voilà, téléchargement en cours, mais je croyais qu'on pouvait jouer avant même que la démo soit faite, que ça soit fini de télécharger. Ou à moins que ça soit que sur Xbox One, je sais pas. Je croyais qu'on pouvait, hein. Bon, c'est pas grave. Mes trophées, là, je vois 5. Ah oui, d'accord, je suis niveau 5. Alors, moi, j'ai que 170 trophées. Hein. Moi, j'ai pas beaucoup de trophées. D'une part, parce que j'ai pas beaucoup de jeux. PS3. Moi, j'adore les jeux vidéo, mais... ouais, je joue sur différents horizons. Voilà, moi, je suis pas un dingue. J'achète pas énormément de jeux. Là, l'année 2013, j'ai acheté 2 jeux. Voilà. Donc, ils sont Last of Us et Beyond. C'est tout ce que j'ai acheté en 2013. Puis en 2012, de toute façon j'ai 11 jeux je crois en tout de PS3, donc c'est ridicule, hein, c'est complètement ridicule. Mais voilà, à quoi ça sert d'avoir plein de jeux si on les fait pas? Ça sert à rien. Donc évidemment, si j'avais des magasins d'occasion près de chez moi, machin, voilà, t'y vas, tu choisis un peu tes jeux, tu te barres avec. Mais c'est pas, moi j'en ai pas, donc on fait comme ça. Voilà, donc sachez que cette vidéo à la base aurait dû être en direct, donc le 2 décembre à 21h, mais bon, je n'ai pas voulu au dernier moment. Moi je trouve que je pense que ça doit être mieux comme ça. Je vais faire un petit montage là-dessus. Bon, la qualité sera moyenne, je m'en excuse par avance. Bon, c'est comme ça. Donc vous pouvez voir les petits gris-gris sur moi. Bon, le fond vert est moyen aussi, mais bon, c'est pas grave, hein, vous m'avez vu. Et puis donc voilà, donc les impressions, ben très bonnes, hein. Très bonnes impressions. La console est vraiment très bonne. Très peu volumineuse, hein, ça c'est clair. Ça fera un bel objet, mais malheureusement pour le moment, comme je disais, il y a rien qui m'intéresse en termes de jeu. Je vais voir si une clé USB ça marche bien dedans. Si ça, oh putain, c'est pareil, hein. Il y a pas beaucoup d'espace, hein, pour mettre quelque chose dans la console, hein, dans les ports USB. Ça c'est un peu dommage. Alors, où est-ce que je peux l'avoir, ma clé USB? Parce qu'elle a été lue, je pense. Alors, paramètres. Ouais. Elle est où, la clé USB?
Bibliothèque. D'accord, donc dans la bibliothèque, il y a aussi donc les démos. Ah d'accord, donc ça se mettra dans la bibliothèque. D'accord. Donc les jeux se mettront dans la bibliothèque. Tiens, on va essayer un dernier truc. En direct de PlayStation. Alors, visionner des vidéos utiles et intéressantes du monde entier. Donc on va faire OK. Alors, en direct, qu'est-ce que nous avons? Parce que, évidemment, il y a Twitch et Ustream. Hein, faut pas oublier. Alors, on a quoi? Alors, on a du FIFA, on a de la NBA, on a du Battlefield. Ok. Attends, on va prendre, je sais pas moi. Assassin's Creed 4, tiens. Voilà, la rapidité du truc. Donc là, ça charge la vidéo. Et ok. You've caused no small portion of suffering yourself, Mr. Prince. Ok, donc là c'est Akrelus qui joue actuellement à Assassin's Creed 4. Lancer ce jeu. Si je fais lancer ce jeu, application introuvable. Ok. Ah, le truc, comment il fait pour faire ça? Il fait cher. Donc là c'est sur Twitch qu'il est. Donc on peut aussi prendre sur Ustream. Ce qui est chelou, c'est que il y a 15 coms. Je sais pas comment une vidéo peut avoir 15 commentaires alors qu'il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Oula. Ah ouais, d'accord, le mec il joue à poil. Donc lui il a il a une PlayStation caméra lui avec. D'accord. Alors, le truc, c'est... je crois qu'il n'y avait que 15 minutes, mais on peut faire du live. Je crois qu'on pouvait partager, mais pas en live. Alors... on va essayer, hein. Écoutez. On va aller sur Playroom. Alors, dans la zone encadrée, ajuster... Donc on fait croix, un fichier de mise à jour est encore des... Oui. Donc on va dans Playroom. C'était pas prévu, hein. Pas du tout. Donc c'est un jeu qui se joue surtout à la cam, on dirait. Un peu au pavé tactile, c'est une sorte de jeu pour tester tout ce qu'il y a sur la manette, quoi. Tout simplement. Voilà. Donc je n'ai pas de PlayStation caméra. Voilà, donc là ça fait des vibrations avec le pavé tactile. Voilà. Donc pavé tactile. On peut pas passer tout ça. Alors là, si je fais cher. Alors, si je fais cher. La PS4 enregistre en continu votre vidéo de jeu. Lorsque vous appuyez sur la touche Share, une capture d'écran de cet instant précis et un clip vidéo de vos 15 dernières minutes de jeu sont créés. Téléchargez en amont des clips vidéo et des captures d'écran pour partager vos meilleurs moments. Ok. Alors, téléchargez en amont le clip vidéo. Téléchargez en amont la capture d'écran. D'accord. Et là, on peut diffuser le jeu. D'accord. Donc pour cela, voilà. Donc il faut choisir Twitch ou Ustream. Ok. Alors téléchargez en amont le clip vidéo. The Playroom. Préinstallé donc, ok. Alors. The Playroom. Là, je vois pas où ils veulent en venir, mais bon. Donc The Playroom, merci de patienter. Ok, donc ok. Toujours se connecter, Facebook et compagnie. Qu'est-ce que j'en ai branlé de Facebook, sérieusement? Oh là là. Hop. Ok. Bon, tant pis. Parce que ça avait déjà enregistré Playroom, en fait, quand j'y ai joué tout à l'heure. Bon.
Donc détection de mouvement. Donc ça je peux le bouger avec la... avec le pavé tactile. Voilà, donc là il y a du son qui sort de la manette, etc. Donc en clair, cette application fait vraiment valoir la manette, quoi. Allez, la couche, je m'en fous de tout ça. Et franchement, si la prochaine fois que je veux jouer, je suis obligé d'arriver jusque là. Sérieux, ça me file, hein. Donc je vais vous remettre en grand. Barre lumineuse en ligne, etc. Donc en clair, cette barre lumineuse, c'est un move, hein. Faut pas se leurrer, hein. C'est tout simplement un move qui est dans la manette, hein. Mais je crois que le move est compatible, hein, avec la PS4. Je crois, hein. Je dis pas j'en suis sûr, mais je crois. Bon, c'est quand ils veulent, hein, sérieux, hein, pour que je joue, hein. C'est quoi exactement? C'est une vidéo, c'est quoi? Donc là, je peux remarquer aussi que, donc au milieu de... donc sur la surface brillante, ben, y a plein de traces de mains, quoi. Je sais pas si vous voyez. Hop là. Non, là vous voyez pas, mais peut-être là, il y aurait peut-être plus. Donc il y a vraiment plein de traces de doigts, c'est un peu dégueu. Bon, est-ce que je peux jouer là? Donc on a compris, c'est un jeu de réalité augmentée, bon. Un peu comme sur 3DS, sur PS Vita, enfin c'est un truc un peu à la mode, mais qui sert strictement à rien. Moi personnellement j'aime pas trop ça, la réalité augmentée. Ah c'est sûr, c'est une prouesse technologique, hein, d'avoir fait ça, c'est quand même pas mal, mais bon. Moi je trouve que c'est limite inutile. Bon, comment on peut passer ça? J'en ai plein le cul là, hein, je m'en fous de cette vidéo. Bon, on dirait qu'on peut pas passer ça, hein. Notification. Voilà, update fil. On dirait que ça s'est mis à jour direct. Donc, ami, notification, j'en ai aucune. Donc, alerte de jeu, téléchargement. Ok, oh là là, 6 heures restantes, qu'est-ce que... Voilà, téléchargement en amont. Donc téléchargement. Ok, donc dans les notifications, je viens de m'en apercevoir, c'est là qu'on peut voir tout ce qui se download, les mises à jour, etc. Et là, on peut voir que c'est long, quoi, que c'est lent. Tout ça parce que beaucoup de gens ont leur console et beaucoup de gens téléchargent la même chose, puisque eux aussi veulent des choses gratuites. Et que ben ça ne c'est, ce n'est, c'est pas au point, quoi. Leurs serveurs sont pas assez forts pour ça. Alors, là, ce que je vais faire, je vais essayer voir comment ça va un disque dans la console. Donc là, en l'occurrence, n'importe quel disque, hein. Hop, alors. Putain, faut trouver la fente, hein. Hein, c'est pas mal. Donc là, il cherche. Il va rien trouver, de toute façon. Alors là, on va voir si la vidéo, si on peut lire une vidéo. Ah, voilà. Là, on peut lire un DVD. Ok. Alors, l'application suivante va être suspendue. Oui. Suspension de l'appli. Hop. Et là, je vais lire. Alors, attendez-vous à avoir un truc intéressant sur PS4. Ça va être marrant. Impossible de lire le disque. Ah ben bien. Sublime. Donc là... j'ai effleuré la main sur le truc. Donc c'est les mêmes bruits, hein. Quand il n'y a pas de disque, ça fait bip bip bip. Voilà. Bon, ben en tout cas, moi je suis très content d'avoir la PlayStation 4. Malheureusement, je n'ai pas de jeu, mais évidemment, je les attends, hein. Ça, c'est normal. Donc, j'attends avec grande impatience, par exemple... merde, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, j'attends avec grande impatience le prochain Metal Gear, donc le Phantom Pain.
Puis j'attends aussi Watch Dogs. Donc tous ces jeux, ça sera pour l'année prochaine. Donc moi je pense que cette PS4 c'est très bien. Donc moi je c'était vraiment pour le fun hein, de l'avoir le jour J, hein, presque le jour J on va dire, dans les premiers. Donc ça c'était pour le fun, mais malheureusement je pense que je ne vais pas me prendre de jeu. Peut-être Assassin's Creed pour Noël. Pour Noël, hein, dans... Donc vous verrez cette vidéo pour Noël, mais ou le début de l'année prochaine. Et puis moi, je verrai bien si je me prends Assassin's Creed, parce que c'est le seul jeu qui me correspond, on va dire. Hein. J'ai pas fait les autres, mais voilà, celui-là, j'ai bien envie de me le faire. Donc je me le prendrai. Peut-être qu'il sera en occasion. Hein. Qui sait, sur le bon coin, je le trouverai peut-être un peu moins cher. J'en sais rien. Donc en tout cas c'est le seul jeu pour le moment qui m'intéresse et puis voilà maintenant je vais regarder ça de près les prochaines sorties. Donc comme je disais Metal Gear qui va sortir donc au printemps prochain donc on va dire en à partir de mars quoi jusqu'à l'été quoi donc là-dedans avril mai je pense qu'il va sortir donc il va falloir s'armer de patience mais évidemment moi je ne pense pas à ça tous les jours et puis voilà et puis donc je sais pas si vous l'aurez déjà eu ou vous allez la voir, mais il va y avoir une petite vidéo bonus et puis il y a aussi la vidéo des 1000 abonnés qui va arriver. Des 1000 abonnés, moi j'en suis proche, je ne les ai pas encore, j'en suis proche, mais je pense que vous aurez cette vidéo pour le début de l'année prochaine. Voilà, donc sur ce, eh bien j'espère que cette vidéo découverte de la PlayStation 4 vous aura plu. Elle est très longue, ça fait 1h19 pour moi, oui, ça va être très long. Ça va être très chiant à faire le montage, mais bon, c'est pas grave. Et puis, sur ce, eh bien je vous souhaite une très bonne fin, une très bonne continuation. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt et amusez-vous bien. Ciao !